C'est pas du zouk, hein? Ouais. C'est du show. Tous les gars. T'as attendu ta soirée, hein? Ouais. Poisson Kwasi, Bislaw. Tu t'es pris les râteaux dans la Quatre semaine, semaines, tu sais plus plus quoi quoi faire faire de dans tes ce soir. soirées. Ce soir, c'est ta soirée, place-toi et viens Viens bouger. bouger. Tu t'es pris les râteaux dans la semaine, tu sais plus quoi faire de ta Dans soirée. les Ce soir, c'est ta soirée, soirées, place-toi et viens bouger. c'est ta soirée. Viens bouger. Et c'est ta soirée. Viens danser. Et c'est nos soirées. Viens Viens serrer, serrer, c'est c'est votre votre soirée, soirée. viens swinger. C'est ma soirée. Viens bouger. Ouais. Bislaw, je débarque avec les sexy go. Ce soir c'est pour faire Le le show. show. Samedi, dimanche, pas de dodo gauche, droit, on affiche La les faux. peau. De tel à tel disco, à peine on arrive, on a le micro. Micro. Le style et la classe sont là-haut. Oh. Avec nos pères en Croco. coco, c'est de la faux, des qualités techno signées, griffées, Made Made in in Togo. Togo. Ouais, c'est pour ça quoi si. Yes I. Bislaw, ouais. J'appelle tout le monde tranquille pour qu'on puisse mettre bien ce soir. Ouais. Pas de prise de tête, tout le monde 632. Deux à deux, on fait son concours de danse sur le sang. Vite fait, une fille de bonne humeur sans peur s'installe. Laisse place au cadre de la phase de l'ambiance glace. Avant de sortir de la zone, j'observe le beau paysage. Me lave le visage, salue les sages, me mets à la page. Niveau vestimentaire, yes I. Mais sans quoi si, Bislaw, c'est du bon. Et oui, comme vous le voyez, Poisson Kwasi, Bislaw, une collaboration qui s'est faite, le son de ta soirée, ça tourne actuellement dans l'enceinte de beaucoup de personnes d'entre vous. Comme vous l'avez pu le voir, on essaie de produire un truc qui représente la diaspora togolaise. Donc ta soirée, beaucoup de personnes se demandent sûrement, comme vous venez sûrement de parler, comment est-ce que d'où est partie la collaboration, comment est-ce que ça s'est fait. Bah, elle a été très simple. La collaboration, c'est tout simplement Bislaw est venu sur Paris pour la réalisation de son album. Donc entre-temps, on a eu l'occasion de se côtoyer, aller en studio, voir comment est-ce qu'il travaille. Donc j'ai été très impressionné du travail qu'on réalise ce dernier. Donc j'ai voulu aller vers lui, je lui ai proposé l'idée qu'on puisse faire un feat ensemble, un truc qui puisse vraiment rebooster un peu, je veux dire, le son tout en chacun. Donc voilà, comme ça s'est lancé, le son ta soirée, un mélange de logobi coupé décalé. Certains d'entre vous me demandent... comment est-ce que ça s'est fait exactement, je veux dire, le coupé des cahiers de Logobi? Bah, ça a été très simple, j'ai choisi de couper Logobi, pardon, parce que, comme vous le remarquez aujourd'hui, la tendance, elle est beaucoup plus du genre chauffante, c'est-à-dire tout ce qui bouge. Donc de là est partie l'idée de réaliser un truc coupé décalé Logobi qui puisse bouger dans tous les clubs, qui puisse bouger dans toutes les boîtes de nuit, dans toutes les discos, tel le genre de la disco, quoi. Donc, Poisson Kwasi, Bislaw, qui va me rejoindre justement d'ailleurs, comme vous le voyez, l'El Maestro, venu direct d'Italie, donc voilà. En fait, j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup de gens se posent la question si Bislaw a changé de style, si je suis entré dans l'ambiance décalée, coupée. Non, c'est pas ça. Au fait, comme vous l'aurez noté, dans tous les featuring que j'ai eu à faire à Paris, même quand il s'agit du featuring avec Big Arnaud, quand il s'agit du featuring avec Poisson Kwasi et d'autres featuring, j'ai toujours maintenu ma position de hip-hop, j'ai toujours fait le rap dedans, j'ai pas changé de style, j'ai pas changé de tendance, je suis toujours dans le hip-hop et j'ai même featuring avec Lorès qui va bientôt sortir. Et donc je reste Bislaw le rappeur, El Maestro, il potentissimo za, il maestro de l'art. Donc rien n'est changé et vous aurez l'occasion de voir mon album perso et avec des sons puissants. Yes, I. Bah voilà, hein, donc ta soirée au fait, c'est pas qu'un son, c'est une histoire. L'histoire, je la raconte très brièvement. Un pote que je connaissais entre temps, qui se prenait tout le temps, mais sérieusement, qui se prenait tout le temps des râteaux dans la semaine. C'est-à-dire, bah écoutez, je vais pas essayer de faire que le français. C'est un pote qui se prenait tout le temps, c'est-à-dire, Nebekebe, il a dit à chialer. Quoi. Donc il était tellement désespéré au bout d'une semaine, toute la semaine il était désespéré, il avait son taf et il était tellement désespéré. Donc moi un jour je lui ai dit, bah écoute mec, il y a une soirée ce soir, tu t'es pris des râteaux toute la semaine, c'est bon, essaie de sortir ta tête de ton gouffre, on va essayer de faire un truc bien, tu vas t'éclater, tu vas bouger, tu vas danser, tu vas swinguer, tu vas serrer les meufs comme tu as envie de le faire. Donc voilà d'où est venue l'idée de ta soirée, un son justement, bah voilà quoi. Donc voilà le concept de ta soirée, c'est le concept d'un mec qui se prend des râteaux toutes les semaines et qui a envie de sortir une soirée, qui sélectionne sa soirée, qui a envie de bouger. Donc voilà, donc ta soirée, ce n'est pas qu'un son, c'est aussi une histoire de mec. Vous moquez pas trop de lui, hein. Donc voilà quoi. Mais aujourd'hui, je vous rassure, ça a changé totalement. Sa soirée, il a tous les jours quoi. Donc voilà, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent de part et d'autre, de toutes les actions que vous menez envers nous en publiant les sons sur vos pages, surtout.
On remercie les médias aussi, les médias à Cotonou, les médias au Togo, tous les animateurs radio, radio-télé de Lomé. Et bah voilà, on va essayer de faire les choses bien comme il fait. Le collectif 228 aussi, j'en profite pour vous dire, un collectif a été créé, le collectif 228, qui regroupera moi, Bislove, Bigarno, qui a été en fuite avec, avec Bislove justement, qui regroupera aussi Lourès, qui regroupera SG aussi dans le collectif 228. Donc le but du collectif, c'est vulgariser justement sans oublier. Donc le collectif 228 a pour but quoi? C'est un collectif qui permet de rassembler tous les talents du Togo, de la diaspora qui sont justement ici, et c'est de faire briller un peu les couleurs du drapeau national à l'extérieur. Quoi. Donc vous inquiétez pas, vous aurez bientôt un puissant feat qui viendra de tous ces artistes et qui viendra annoncer en live. Voilà justement la compagnie, le collectif 228, Forever. Et je profite aussi pour faire un big up à un homme qui jusqu'alors a tenu ses engagements, Aristo Prod, Nimon, on s'était vu à Paris, ils nous ont promis, maintenant tant qu'ils ne se sentent pas attaqués, ils ne vont pas insulter les Togolais sur Facebook, ils vont arrêter ça. Et jusqu'alors j'ai vu que Aristo se donne à faire dans les discos, dans les places, il tourne les vidéoclips, il a insulté, il a arrêté d'insulter les gens, vraiment c'est un signe positif, ça c'est l'engagement, Aristo Prod. Tant que tu feras ton bon boulot, tout le Togo est derrière toi. Yesai, spécial remerciement à l'homme qu'on appelle Essobio Bodona pour le soutien qu'il nous porte. Spécial dédicace au Togolais Togolais, au groupe Sexy Togolais. Spécial remerciement à tous ceux qui nous soutiennent de part et d'autre, la famille, que ce soit les amis, que ce soit les fans. Franchement, big up à vous. Et continuez toujours de relayer le son, car bientôt, on promet rien, car bientôt, du lourd arrive. Donc voilà, en direct de chez nous, on vous fait ressortir ces quelques images pour essayer de vous montrer bien sûr qu'on est présent pour la promo et que la promo n'est pas finie. Elle arrive. Donc on lance aussi une pub, comme vous avez bien pu le voir aussi sur nos murs, une pub pour un casting qui va lieu bientôt. Un casting. Allez. Les bleus bouillons, quoi, et Wablo, Milava, Milako, et donc un casting qui aura lieu pour le son Atametou qui se déroulera sur Paris, le casting se déroulera sur Paris, la réalisation du clip sera sur Paris, donc un casting, vous dites pas forcément que si vous n'êtes pas belle, vous ne participerez pas, de toute façon c'est l'équipe d'esprit, c'est la danse, c'est ce qu'il y a qui fait le clip, donc que vous soyez au nord, que vous soyez au sud de la France et que vous pouvez descendre sur Paris, venez sur Paris pour le casting du clip qui aura lieu pour qu'on puisse essayer de sortir les bonnes danseuses des mauvaises danseuses. On ne dit pas qu'il y en a forcément qui ne savent pas danser, mais qu'on puisse essayer de sortir les bonnes danseuses qui puissent vraiment faire l'image du clip et qui puissent remonter la couleur, qui puissent toujours essayer de propulser la couleur du drapeau que vous voulez en avant. Donc pour plus d'informations, écrivez à Kouessan qui s'écrit K-O-U-E-X-A-N Kouassi K-O-U-X-I @yahoo.fr. Je répète, K-O-U-E-X-A-N, K-O-U-E-X-I, @yahoo.fr pour plus d'infos. Ou écrivez à sevilio@yahoo.fr pour plus d'infos, tout simplement. Voilà. Donc je laisse la parole de fin à Bislove. Ouais, bon, on finit avec un big up à tous les Togolais et à tous nos fans, à tous ceux qui nous soutiennent. Big up. Big up à tout le monde. C'était Kouessan Kouassi, Bislove. À la caméra, Sévi le guerrier. Bra, bra. Merci beaucoup pour le soutien et à bientôt.